Voilà, jeté. Regardez la technique. Oh Comment là, la ça marche? technique de zinzin. Oh là, la technique de bâtard. Allez, tata, va! Ah, c'est l'enculé, Louis! Elle va me mettre l'échelle. Eh, je l'ai jeté comme un sac de patates. Oh là, ça a marché, regardez. Good job, oui. Oh! Wesh! Wesh, c'est quoi ce drôle de monstre? Dinguerie! Salut les enfants! Ouais, il est moche, hein. À l'attaque! Je vais monter dessus, moi. Dans son cul, dans son cul, dans son cul! Je lui mets des coups dans son cul! Dans son cul, je suis dans son cul, les frères! Je suis dans son cul! Allez, dans ton tas, dans ton fiac! On s'est fait défoncer, mais défoncer! Il est temps, désormais, de prendre votre place parmi les plus dignes. Nouer des liens. Rassembler des alliés. Accomplissez votre destin. Levez-vous, insurgés. Suivez votre cœur pour trouver la vérité. Salut, c'est Adam, les frérots et les serrettes, c'est votre banane masquée préférée sur YouTube, BDG. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de Dragon Dogs Mode 2, le temps que le jeu s'affiche sur l'écran. Je sais pas, il y a un bug. Ah ouais, bah ouais, je suis pas sur le... pas sur le bon canot sur Steam Deck. Steam Deck ou Stream Deck? Stream Deck. Donc, là, normalement, c'est bon, on a tout, on a le son, on a tout, ok. Donc, on va charger depuis la dernière sauvegarde et on va continuer l'aventure de Dragon Dogs Mode. On va faire la romance de Ulrika. Moi, je l'appelle Ulrika. Ça peut Ulrika, moi, je l'appelle Ulrika. Comme la série qui est sortie il y a pas longtemps sur Amazon, que je conseille, hein, très bonne. Et là, en gros, on va faire un peu des quêtes aux alentours, des quêtes un peu secondaires. On va avancer un peu dans la quête principale. Et on va faire la romance, elle va devenir notre meuf. Et oui, on va se faire une meuf dans Dragon Dogs Mode. Et oui, et oui. Et elle va pas nous dire... Non, elle va jamais nous dire ça, elle va nous dire... Oui, 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 oui. Oui, oui. Donc, on est avec la grosse chatte, là. Ouais, la grosse chatte, là, que j'ai recrutée. Par la suite, on va la dégager en prenant des niveaux plus forts. Donc, ce qu'on va faire, je vous explique. Par la suite, on va s'acheter une armure. Parce que là, je suis vraiment encore au début du jeu. On va déjà continuer la quête avec lui. Déjà, lui, c'est Grégory, je crois, le petit Grégory. Non, c'est pas le petit Grégory, c'est le grand Grégory. Et en gros, on va faire une quête avec lui. On doit aller à la capitale. À la capitale. Mais là, ce qu'on, nous, on va pas y aller jusqu'à la capitale, parce qu'on va faire tout ce qui est au niveau de la quête de romance de Ulrika. Donc voilà, pour l'instant, on va avancer un peu, on va voir ce qui se passe, et après, par la suite, on va retourner en arrière. Parce que j'ai manqué une quête à Melv. Qu'est-ce qu'elle veut, elle veut quoi? Ok. Elle veut quoi, recruter 68? Non, t'es trop cher, cousine. Moi, je paye pas, moi. Moi, t'as pas compris, je suis un crevard. Moi, je paye pas, moi. Elle dit quoi, elle? Ouais, elle pète les couilles. Elle sort tout le temps, ce truc. Ouais, regardez toutes les femmes d'honorant. Ouais, des ennemis, là. Wesh, wesh, wesh. Venez, venez, les feuilles, venez. Venez, venez, les couillons. On va fumer du puff. Pétez-lui la gueule. Voilà, c'est bien, tata macroute. Tata macroute, par la suite, on va en enlever un. Hein. C'est pas qu'on aime pas, mais... On va faire un autre personnage plus intéressant. Là, pour l'instant, on la laisse. Je vais pas trop ramasser tout ce qu'il y a sur les ennemis. Malheureusement, je suis assez lourd. Donc, le truc, c'est qu'on va retourner après en arrière. On va... Je vais déposer tout ce qui... tous les trucs que j'ai. Oh, la part derrière! Tiens, bouffon! Oh, voilà! Fume-le! Fume-le! Mais je suis en terre! Je suis en terre, les filles! Voilà! Voilà! Wesh, 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 le bâtard! Voilà, imbécile! T'as compris qui je suis, moi? Je suis Kratos, le dieu de la guerre! Wesh, wesh, y'en a un autre! Allez, allez! Allez, allez! En gangman! Oh la ken, hein! Ah, mais skin, on a... Oh, on est lourd, là. Voyez, on est lourd, là. Oh, on continue. On continue, on continue. Bon, oh, on se fait attaquer tout le temps. Hein. Dans le jeu, on se fait ça l'attaquer. Hein. Ah, je l'esquive. Oh, non. Tiens. Oh, non, cousine.
Non, 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 imbécile. Essaie de m'endormir, essaie de m'endormir. Essaie de m'endormir. Tu m'endors pas, moi. Moi, tu m'endors pas, moi. Je suis un petit, moi. Je suis un petit, moi. Viens ici. Ah, la bagarre dans les airs. C'est moi qui le chasse. C'est moi qui est en train de le chasser. You, you. Voilà. Oh, oh, tiens. Voilà. Donne-moi de l'expérience. Ah, je suis trop chaud, hein. C'est quoi, scarabée, ça? Ah, quand t'as des scarabées, ça te permet de transporter plus de trucs. Bon, je ramasse pas tout, hein, parce que sinon, après, je suis trop... Je suis trop plein. Attends, il y a un truc, là. Il me dit qu'il y a un point d'interrogation, ici. Regardez. Pourquoi il y a un point d'interrogation? Il y a un truc que j'ai pas récupéré. Les ennemis, ils réapparaissent pas, non? Ah, il y a un trésor, il est au-dessus. Ah, le trésor, il est au-dessus, ok. C'est bon. Mais je peux pas aller le choper parce que j'ai pas... Il faut un mage qui te propulse par au-dessus. Ok. Il y a encore des harpies là-bas. Non, non, on va se barrer, hein. On esquive, on esquive, on esquive. Venez, venez, on calcule. Ah. Comme s'ils n'existaient pas, venez. Putain, un personnage comme l'endurance, elle baisse trop. Oh, des loups! Oh, des loups, les reilles! Aidez-moi, aidez-moi! Ah! Wesh, aidez-moi, bande de bâtards! Ouais, il m'a chopé! Lâche-moi, lâche-moi le cul! Voilà! Il est en train de me grailler! Oh non, meurs, wesh! Wesh, 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 c'est chaud là! Allez, soigne-moi, soigne-moi. Y'a un loup, y'a un loup, y'a un loup. Voilà. Ça va la chier, ouais. Allez, continue. Ah, je suis lourd, là. Putain, je suis encore lourd. Faut que je lui donne des objets, là, à l'autre. Faut que je lui donne ça, là. On va donner un... Tata Macroute, 6. Elle va porter un peu la grosse. Attends, tiens. Hop, voilà, hop. On a moyen. Ah, c'est bon. N'importe quelle échelle, hein. On m'a dit une échelle. Elle est où l'échelle? Ah, il y a un... Ah ouais, il y a un truc là-bas. On va le récupérer. Attends, mais si, y a moyen. On va la prendre, elle. Vas-y, viens. Voilà, on va la jeter. On va essayer de l'acheter là-bas. Regardez la technique. Oh là, la technique de zinzin. Oh là, la technique de bâtard. Allez, tata, va. Elle va me mettre de l'échelle. Je suis mort, voilà. Oh putain, je suis KO. Je l'ai jeté comme un sac de patates. Voilà, ça a marché, regardez. Eh putain, trop malin. J'ai même pas cette technique, elle existait. J'ai sorti tout seul de mon crâne. Allez, casse, cassez, cassez. Cassez les bouffons. Eh, voilà, elle me pique tous mes trucs, hein. Vas-y, on ouvre. La grotte, elle est où la te gros, là? Ouais, je veux pas ouvrir les bâtards en fait. Putain, je peux pas utiliser mon arc. Équipement. Équipé, je peux pas utiliser un arc. Putain, j'ai cassé les caisses, j'aurais pas dû casser les caisses là. Vous voyez les caisses là?
J'aurais pas dû les casser. Les rochers, là. Prendre rocher. Et avec Tata Macrode, vous pensez que ça fonctionne? Si genre, je la jette contre le truc. Ah, si ça ouf, je suis... Ah, Tata Macrode, mais ce qu'il y en a, je lui fais la misère. Hein. Oh non, je pensais. Elle, peut-être. La grosse, là, la grosse. Hein. Comme si j'étais la TNT sur le mur. Pousse-toi, pousse-toi, Tata. Ça marche pas, hein. Ah, ça marche pas. On y reviendra plus tard. Quand on va revenir plus tard, on va essayer de trouver des grenades ou un bail comme ça, là, pour l'ouvrir. Pour l'instant, on va continuer. Bon. Oh, putain, m'a tué la technique. T'as pas une meilleure approche, on attaque, ça y est. Donc c'est quoi? Donc c'est... Ah voilà, avant de mourir, je me suis soigné. Tiens, tiens, tiens ta mère. Tiens. Sale chien, va. Soigne-moi, soigne-moi. Merci. Allez, attaquez-les. Je vous regarde. C'est bien, bien battu, hein. Allez, je tape dans ta main. Tape. Y'a pas un coffre, là? Y'a un coffre, là. Voilà. Je sais pas c'est quoi de la fulgurance, mais j'ai pris. Il note, hein, ça va quand on a pas... La grotte, là, regardez, tout à l'heure, vous voyez sur ma carte. Il a noté que je l'ai pas faite, quand même. C'est bien. Il a noté aussi que là, il y a un camp, je crois. C'est quoi, ça? Rendez-vous des bêtes. Ok. Mais il note, au moins, il met les objectifs... les objectifs, au moment, on va dire, des marqueurs d'identité. Oh, putain. J'ai fait tout le tour pour rien. Là, je crois, par là, c'est la suite, hein. Moi, j'ai fait... Et où aussi, l'autre? Ça y est, on y va, vas-y. Ok, juste un peu remonter ma vie. Oh, ça va, je pense que ça va aller. Vas-y, vas-y, on n'a pas le temps, hein, cousine. Elle veut que ramasser des ingrédients, elle a cru c'est de la cueillette, elle. Salut. Bonjour. Ok. Zéro, lui. C'est un mage. Coupé dans un, deux, un, deux fois de suite au même endroit exclu. Connaissance de la mission. Récompense 500. Évaluation. Vas-y, bah je le recrute, il est niveau 7. Ok, elle, je la renvoie. Envoyé. Avec le niveau 2. Je te donne rien, cousine. Tiens, tu veux quelque chose? Je te donne une pomme. Tiens, prends une pomme. Psartek. Allez. Joueur écoulé. Joueur écoulé. Ouais, franchement, elle est pas mal. Un petit like. En plus, c'est un lion, le rouilleur. Elle, c'est un lion. Là, la meuf, elle commence à me péter les couilles. Toujours à dire, ouais, il y a que des meufs dans le groupe. On a compris. Ça va, j'ai recruté un meilleur match. Ça devrait mieux aller. Bon, ouais, y a rien ici, qu'est-ce qu'on fout ici? On est au piège, tout ça, on a fait la route pour rien. Oh! Wesh! Wesh, c'est quoi ce drôle de monstre? Dinguerie! Ouais, il est moche, hein. À l'attaque! Je vais monter dessus, moi. Monte, monte! Faut que je monte dessus. Allez, je monte dessus. Je vais me mettre dans son œil. Ah, il cache son visage. Je vais me mettre dans son œil. Tiens. Ah. Oh, le chien. Oh, le chien. Je remonte sur lui. Allez, je flinguer son œil. Vous voyez son œil, là? Ouais, je monte sur lui, là.
Tiens ton œil. Dans son œil. Ah, je suis en train de ken. Tiens ton œil. Tiens. Oh. Je remonte dessus. Oh. Allez, flinguez-le. Tapez-le, bande de bouffons. Oh là là, ça y est, je suis en train de me ken. Regardez, je suis sur lui. Descends, couillon. Oh, les dégâts que je lui fais. Allez, on défonce. Ouais, il a repris son bâton, le bâtard. Dans son cul. Je lui mets des coups dans son cul. Je suis dans son cul, les frères. Allez, dans ton tas. Dans ton fiac. Bah ouais, tu m'as mal jugé, bien sûr. Tu m'as trop pris pour un petit, toi. Merci, sœur. Il semblerait que je vous ai mal jugé. Je pensais que vous étiez encore ces infos surgés. Ce n'est pas ça qui manque ces derniers temps. Mais le courage dont vous avez fait preuve en venant à notre aide à dissiper mes doutes. Tenez, prenez ceci en gage de ma confiance. Donnez-la à l'un des gardes aux portes de la capitale. Et on vous accordera une audience avec le capitaine Brandt. Vous êtes libre d'aller par vous-même à la capitale. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous surveiller plus longtemps. Et la liberté doit vous manquer, non? Bien sûr, si vous préférez nous accompagner, il y a toujours une place pour vous dans notre chariot. Le choix vous appartient. Eh bien, la route est bloquée. Le chariot ne va pas pouvoir passer. Un puissant courant devrait pouvoir nous débarrasser de ce rocher. Mais encore, faut-il pouvoir en provoquer un? Mais Rouya, tu crois que je suis con ou quoi? Est-ce que tu m'as pris pour un abruti? Tu crois que je suis un mal ou quoi? Je vais t'ouvrir le passage à Rouya. Regarde. Tu vois là? Là, en plus, c'est un tonneau en plus. C'est un tonneau explosif, on dit. Ouais, j'ai fait une pirouette. On va prendre ça, regarde, le tonneau. Attention à vous. Attention. Explosion! Oh! Wesh! Je m'attendais pas autant. Oh là 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 là. Il est là le truc, le golem. J'ai pas encore ramassé tous les bails sur lui là. Vas-y, y'a rien à me dire l'autre. Dis-moi merci frère. Dis-moi merci. Oh, dis-moi merci. Wesh, dis-moi merci frère. Wesh. Ouais, dis-moi merci. Non, je prends ma route. Allez, au revoir, merci. Ouais, mais nous, on va pas là. Nous, on doit aller à Melv. On doit aller ici. On doit faire toute la route comme ça, là. On va aller à l'avant-poste, avant. Et en deux, on va aller ici. Voilà, on va faire toute la route. Est-ce qu'on va faire la quête de Ulrika? Est-ce qu'on va faire? On va fabriquer des soins. Combiner. Redonne la vie. On va en faire 3. Voilà. On va en faire 1. Ça y est. On n'a pas trop de... De potions. Vous voyez les potions quand j'appuie L1? En fait, je peux même faire menu objet en faisant L1 à gauche. Et en bas, c'est le respitat mur, c'est pour augmenter l'endurance. Donc, on va faire tout le chemin, mais en sens inverse. Mais je vous explique. Hein. On va pas s'amuser à bagarrer avec tout le monde. Ah non, on va pas s'amuser à bagarrer avec tout le monde. Là, je ralentis parce que je sais qu'il y a des monstres.
Regardez, et là on va couper comme ça. Hop. On va couper. Hop. Vous voyez. En fait, c'est vrai qu'il y a des monstres partout, mais il y a possibilité d'esquiver si vous connaissez un peu. Hein. Le jeu, c'est pour ça que des fois, faut pas passer le temps, se mettre dans un camp et passer le temps. C'est mieux de laisser comme ça. Regardez, exemple là, vous voyez qu'il y a des monstres, là, je vais me barrer. Hein. Venez, venez. 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 Venez, venez. Vous voyez, vous pouvez esquiver, hein. Depuis la dernière mise à jour, il y a de... Il y a possibilité d'esquiver les monstres. Là, on n'a pas fait, là, on n'a pas récup. Et là, l'eau, là. Il y a des trucs, là, je crois. Ce qu'on va faire déjà, avant ça, on va sauvegarder. Faut toujours penser à sauvegarder. Toujours, toujours, toujours. Voilà, là, je peux pas, parce qu'il y a une sauvegarde auto. Mais faut pas hésiter à sauvegarder assez souvent. Là, c'est pour ça que je regarde s'il n'y a rien. Des fois, il y a des petits chemins comme ça, faut regarder s'il n'y a pas quelque chose. On va re-sauvegarder. Toujours penser à sauvegarder, toujours. Et faut bien... faut pas faire depuis... faut toujours faire la première option, pas la deuxième. Wesh, lui, il a l'air chaud, lui, hein. Ouais, c'est qui cette meuf, là? Ah, j'ai un archer. Après, par la suite, faut que je change d'archer. Venez, venez. Ouais, non, non, on n'a pas de temps à perdre. Je crois qu'on a que ça à faire ou quoi? Viens, on se barre. On va passer au point 1, là. Vous voyez, là, il y a le point numéro 1. Et après, on va au point numéro 2. Allez, c'était ici qu'on était, là. Là, on avait déjà ramassé tous les trucs, mais on n'avait pas fait un tour au camp, là, à droite. On n'avait pas fait un tour au coin, au camp, à droite. Je m'enrhumais un peu, en ce moment, mon sommeil, les frérots, les frérots, les sœurettes, en ce moment, mon sommeil, il est décalé avec Ramadan et tout, laisse tomber. Voilà. Je dors pas, je suis pas des nuits complètes. Mais non, c'est Kiblo. Ah non, ils ont Kiblo, là, le chemin. Ah bah, on va aller directement à Melv, hein. On va aller directement à Melv. Bon, bah, on est retourné dans la ville, hein. Et là, on doit faire quelques quêtes pour la romance de Olika. Mais avant ça, je vais essayer de trouver un petit armurier pour essayer de m'acheter une petite armure. Ramasser, putain, 300 balles comme ça, gratuit. Donc lui, ça, lui, je dois faire sa quête, lui. On va lui faire sa quête. Hein. Je vais juste essayer de trouver un... Ah, déjà, il est là, là. Déjà, on va aller là. Au dortoir, là. Vous voyez, lui, là. Voici l'auberge. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on va ranger le coffre privé. On va déposer des trucs. Parce qu'on a trop de trucs. Ça, on garde, ça. Matériel de camp modeste, on le garde. Ça, on enlève. Éclat de pierre de réveil. Ok. Ça, on garde. Ça, on va déposer. Ça, on dépose. Ça, on dépose. La viande, elle est pourrie. Ouais, c'est ça le truc. Des fois, la viande, quand elle est pourrie, faut pas... Faut vraiment déposer les trucs avant qu'ils pourrissent. Parce que si vous passez du temps dans le jeu et... Vous déposez pas, ça peut pourrir. L'exemple là, elle est pourrie, je peux plus rien faire avec. Ça, ça me sert à rien pour le moment. Ça, pareil, c'est pour améliorer les équipements. Là, c'est pareil. Ça, c'est pour le capitaine, ça, je garde. Ça, et bah, je peux rien faire avec, j'ai pas de talent d'archer. Hein, ça, c'est bon. Ça, ça se vend, ça. Ça, on va stocker aussi. Pour l'instant, on n'a pas utilité. Ça, c'est pour jeter des sorts. Ça, c'est pour augmenter ma vie. Ça, donc, je garde. Ouais, déjà, j'ai pas beaucoup de choses. Et vous voyez très bien que... Vous voyez très bien que je peux pas porter énormément de choses. Donc, faut vraiment, vraiment stocker. Il y a des choses, faut...
Faut pas garder ça, je dépose façon la flemme de le mettre et de le jeter. Ouais, ça j'ai pas énormément de choses, mais quand même là je suis assez lourd. Combiner. Qu'est-ce qu'on peut combiner? Soit une empoisonnement, ça c'est pas intéressant. Vous voyez? Soit combiner. Ça c'est pas intéressant, oui. Ça redonne un peu d'endurance. Ça, on va le faire. Sécher. Redonne beaucoup d'endurance. Ça, on va le faire. Il ouais, faut pas hésiter à combiner. Hein. Ça, on va essayer. C'est quoi? Oui. Ça fait des bons trucs, hein. Vraiment, ça fait des bons trucs. Ça, c'est quoi? Et ça va direct, c'est bien, ça va direct. Ça va directement dans. Ça accède directement, en fait, au coffre. Voilà, il y a le guide des classes. On peut acquérir des compétences. Ça, c'est. Ça, je vais le débloquer. Hein. J'ai pas. Voile d'ombre aussi, c'est pas mal, ça permet de se dissimuler. Là, j'ai 2265 PC. 2227 PC. Ça veut dire qu'en gros, on va mettre pas explosif, c'est pas mal. C'est pas le meilleur truc. Ça tue. Ça, c'est un délire. T'as les ouf. Voilà, équipe des captures. Ouais, on va équiper sur croix. Non? On va équiper sur triangle plutôt. Voilà. Maintenant, on va mettre poser un explosif au sol qui peut être déclenché à distance. Ça, c'est un truc direct. Un arabe des explosifs. Hein, directement. Merci. Hein. Ça, c'est une dinguerie, ça. Brise-crâne, c'est une dinguerie, ça. On va mettre sur rond. Et il nous reste soit voile d'ombre, c'est-à-dire qu'on se met invisible. Ça permet d'attaquer par derrière. Mais on va pas prendre ça, nous, on va prendre langue de feu. Langue de feu, on va le mettre sur. Croix. Voilà. Morsure du vent, vous voyez, c'est court vers l'adversaire. Avec les lames tendues, suivies de coupes, même certains qui utilisent au moment de l'impact. Vous voyez, ça c'est pas mal. C'est pas un truc de ouf, je trouve, mais ça permet en fait de se dégager quand on attaque pour des ennemis. Donc là, on est bien. Là, vraiment, là, on est mieux. On peut dormir pour valider. Ça nous coûte quand même 1500. Mais. On va pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez là, cette fois, c'est tout ce que j'ai fait. Franchement, ce jeu-là, moi, je surkiffe. C'est une dinguerie, t'as les fous. Là, on va sauvegarder, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de la vidéo, les frérots et les sœurettes? On va aller déjà aller se trouver une armure. Parce que là, on n'a pas d'armure et c'est la de mer. Donc, on va faire en sorte de trouver une armure. Et après, on va faire la quête de l'autre. On va parler à lui, là. Lui, je crois qu'il vend des armures, le bouffon. Vas-y, vas-y, dis-moi ce que t'as. Il y a une épée de fer, ça ne nous intéresse pas. Tranche-gorge, c'est moins puissant, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on va prendre, on va essayer de prendre capuche d'éclaireur. Déjà, ça va augmenter, on aura un petit style. On va prendre. Faut pas qu'on soit trop. Faut vraiment regarder si c'est la bonne classe. Côte de maille, c'est notre classe. Tunique, c'est vraiment notre classe. Parce qu'en fait, faut pas qu'on soit trop lourd. Comme on est voleur, faut pas qu'on soit lourd de taré ouf, vous voyez? Donc on va essayer de se faire un bon truc, à mettre des bons anneaux. On va prendre le truc de la charge maximale, il est pas mal, mais c'est très 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 cher. Vous voyez, c'est très très cher. Hein. Le truc de l'anneau qui permet d'avoir une charge maximale, c'est très cher. Nous, ce qu'il nous faudrait, tranche-gorge, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un truc où. On est assez renforcé. Vous voyez? On est assez renforcé, mais c'est très moche. Ah ouais, c'est très très moche. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de prendre un truc pas trop cher, mais en fait une armure vraiment qui nous protège assez. Mais qui nous rend pas trop lourd. Parce que ces trucs, c'est. Faut pas qu'on soit trop lourd. Surtout qu'on est en début de jeu. Faut pas qu'on soit trop lourd. Donc, le mieux, je pense, c'est de mettre. Moi, selon moi, hein, c'est de mettre une cotte de maille.
Voyons, moi ça nous fait une petite armure. Au moins on est protégé. Parce que si on prend la tunique, on n'est pas trop protégé. Voilà, on a que 79 et là on a 85. Mais elle coûte deux fois le prix. C'est ça le truc. Pour 6 points, que ça vaut le coup? Non. Donc, on va l'acheter. Tunique sylvestre. Voilà. On équipe. Pour équiper. On va acheter aussi un truc qui nous protège notre crâne. Mais je veux pas un truc qui soit trop cher. Donc, on va prendre ça. Ça nous fait un petit style. Vous voyez? Là, déjà, on est équipé. Et on va prendre un petit pantalon parce qu'on va pas rester en slip quand même. Hachek. Hachek, on va pas rester en slip, Hachek. Donc, est-ce qu'on met pas un petit pantalon comme ça? Bon, c'est pas trop cher. Et ça nous protège. On va se prendre aussi des bottes. Hein. Donc voilà, on va prendre des bottes. On prend des bottes. On va prendre Hachek, un pantalon. Parce qu'on va pas rester en slip. Bottes, il y a où le pantalon? Ah non, on prend juste les bottes. Parce qu'avec les bottes, on a le pantalon. Voilà, ça y est, équipé. Maintenant, on va voir comment on est. Pa, les frères, je me suis acheté un slibert. Ah ouais, on voyait mon cul, maintenant on voit plus mon cul. Vous voyez comment j'ai level up? Dites-moi, Charlotte, dites-moi, Charlotte. Parce que je sens là que vous êtes jaloux et tout. Pas être jaloux, les frères, je suis comme vous, hein, sauf que maintenant j'ai un pantalon. Non, je vais pas mettre de capuche. Je l'ai acheté, mais je la mets pas. J'ai pas envie. Ce qu'on va faire. Déjà, je vais passer une sauvegarde. On va passer un jour. Je vais vous expliquer pourquoi. On va passer un jour et on va changer de soutien. Allez, là, regardez. On va passer juste un jour, s'asseoir. On va passer un jour et on va. Oui, il veut pas passer? Attends. S'asseoir. Faire la sieste. On va se réveiller. Ok, s'asseoir. On va encore passer jusqu'au matin. On va pas faire la mission de nuit. Hein. Voilà. On est un peu le matin, non? Ouais, début de matinée. On va commencer la journée. Là, normalement, ça fait 24 heures que on est avec eux, là. Ça fait qu'on va changer de soutien et ça va nous donner des objets. Voilà, regardez. On va prendre deux compétences d'armes, spécialisation, nom d'utilisateur, compétences, spécialisation, mission. Ok. Donc là, il y a des niveaux 2. On va essayer de trouver un équivalent à notre niveau sans que ça nous coûte quelque chose. Ok, recruter. Ok, on va voir, est-ce que ça fait un jour qu'on a passé ou pas avec lui? Je sais pas, on voit ça où. Camper dans 3 fois de suite, mission de pion. Après, vous avez des missions de pion et tout. C'est elle ou pas? Elle, ça fait combien de temps qu'on est avec? Ok, on va la remplacer, on s'en fout. Rien, je te donne R. Non. Pas frère de cadeau. Ouais, c'est pas mal, merci. Voilà, j'ai pris la lionne, non? Ça, elle est prise, elle. Maintenant, il nous faut un mage. Le mage, il est niveau 9. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 31 PC? C'est vous qui voyez, hein, des fois, ça vaut pas le coup. Hein. Vous dites non, mais ça vaut pas le coup. Mais quand vous avez pas trop. Regarde, l'exemple, il est niveau 8. Mais lui, il est en slip. À chaque qui va te prendre, il est en slip. Il est ouf, le frérot. Il fait des missions, mais le Kemé, hein. Ah ouais, mais il y a un slip, mais il connaît la mission. Connaissance de mission. Ah, je vais prendre lui le niveau. Je vais payer 31. Non, 31, c'est cher. Niveau 7, niveau 7, niveau 7, niveau 9, 6. Ouais, j'ai que le gars qui est en slip qui est niveau 8. Ouais, échec. Échec. Niveau 8, niveau 7. Vas-y, je vais prendre elle, c'est tout. Ouais, mais elle a pas de mission, la cousine. Ça, le truc des pions, j'ai pas vu comment je peux mettre une mission aussi pour mon pion pour que les gens ils la recrutent. De toute façon, je vais la changer. Hein. Vas-y, on va prendre le grand slip. Faut voir ses compétences aussi.
J'espère qu'il n'est pas pourri. Hein. Vous savez quoi? Je crois que je vais garder le mien. Bon, là, vraiment, annulé. On se barre, je garde le mien. Je sais que je ne vais pas prendre celui-là en slip. T'es fou, quitter la faille. Paramètre mission de pion. Éclat de pierre, confirmé. Pion dans la faille. Non. Pion spécial, non. Chercher un pion, non. Ok. On va quitter. Voilà, comme ça, vous avez vu un peu les trucs des missions. Des pions, plutôt, ce que je dis. Et là, on va trouver le gars pour faire la mission. Normalement, il est là. Il est là. Voilà. C'est lui, là. C'est toi, Norbert. Tu vois bien que je suis pas Norbert. J'ai écrit, j'étais Norbert, le chef, là. Le... Qui parle, mais tu vois, enfin, aujourd'hui, j'ai camembert, mes petits chauds. Norbert, le chef. C'est pas mort, rouille. C'est toi, Norbert? Oh, mec, je me suis réduit pour rien. Attendez, est-ce que vous êtes prêts de chercher mon frère? Cet idiot téméraire m'a dit qu'il allait chercher de simple. Il s'est précipité dans la forêt, je l'ai pas revu depuis. J'irai bien chercher moi-même, mais c'est dangereux dans cette forêt, vous comprenez? N'allez pas croire que j'ai peur des monstres, hein? Mais ça ne servirait pas à grand chose si je fonce tête baissée et qu'il m'arriverait malheur, vous ne pensez pas? Alors, je me disais, je sais pas moi, que vous pourrez peut-être y aller à ma place. Vous avez l'air mieux paré que moi à affronter ceux qui rôdent dans cette forêt. Je vous en prie, cher. Je me fais un sang d'encre pour mon frère. Merci mille fois. Bien, je pense savoir où il se trouve. Entrez dans la forêt et tournez quand vous arriverez à l'arbre avec un nid d'oiseau, tout en gardant la falaise à votre droite. Non, ça n'a pas marché. Je peux clairement voir le chemin dans ma tête, mais je suis bien en peine de vous l'expliquer clairement. Et mon frère et moi sommes les seuls à l'utiliser de ce que je sais. Je ne vois que sur une seule solution. Et je vais devoir vous guider moi-même. Mais soyez sur vos gardes, hein. Les monstres de la forêt sont différents depuis l'attaque du dragon. Je vais avoir besoin que vous me protégiez et je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Bien, c'est parti. Ma vie est entre vos mains, l'ami. Je suis pas ton ami, moi. Moi, je suis pas ton ami, moi. Ça le fout, hein. J'étais son sra, muskin. Ah, je suis pas ton sra, moi. Je suis pas d'ami, moi. Moi, je suis tout seul, moi. Seul, moi. Je suis seul, je suis dur. J'ai pas besoin de meuf, j'ai pas besoin d'amis. Je suis solo. À l'avance. Ouais, comment je suis classe maintenant. On dirait... Geralt de Wish. Kratos de Wish. Kratos. Il m'avait tué, un frérot, dans les commentaires. Nad, il passe dans le coin, frérot. Il m'avait dit... Kratos s'est trompé. Ça arrive, hein. C'est pas pour te tailler. Je dis ça, te hachem, mais... Il m'a tué, ce qu'il me disait... Au lieu de dire Kratos, il disait Kratos. J'étais mort de rire. Oh là là, les frérots de la chaîne, vous êtes des tueurs. Allons, continue. C'est la petite dédicace. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Allez, vas-y, mais cours, toi. Il est trop lent, lui. Je peux pas le prendre son main sur mon dos. Oh, ne prêtez pas attention, ce genre de... Je me suis raconté, les frères, des fois, ils lancent des dialogues. Ouais, c'est un piège, ça, non? Alors, en fait, on est obligé de faire cette quête-là, là, avec lui. Pour... avancer avec la romance de Odika. Arrêtons. Ah, j'ai oublié, quand vous avez des pions, faut la récupérer ce qu'ils ont sur eux. On fait quoi? On dort ou on y va? Ah, y a un campement là. Attends, je récupère ça là. Coûte cher ça. Ouah, je suis lourd! Mais non! Faut que je fasse quoi là? On y va ou. Bah, on y va, frère! Mais attends quoi? Allez, on y va. Attends, par contre, je vais jeter le bail là que j'ai là. Je vais le donner à mon pion. Là. Moi, je suis lourd là. Campement là. Donner. Waouh. On va le donner à lui là. Le lion. 1.
Après, on va le récup. Pas que j'oublie de récup tout ce qu'ils ont à chaque fois. Là, son vieux roux, il s'est mis dans la merde. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? C'est qui, lui? C'est qui, lui, pour commenter ma vie? C'est quoi? C'est des méchants ou... Voilà, finito, wesh. Oh, vous galérez contre un vieux cul, mais... Ouais, il est classe, lui, c'est qui? Oh, regardez, regardez. Vous avez mes lames de feu, non? Vous avez vu mes lames de feu? Regardez, regardez. Regarde, là, je fais du feu, non? Oh, là, 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 là. Regardez, regardez. Oh, là, là, c'est une dinguerie. Oh, là, là, wesh. Wesh, Lyon, trop fort, hein. Wesh, pas lui, il est trop classe. Mais shit, man. Ça fait la classe, wesh. Zéro, lui, pour le recruter. Mais non. Flèche explosif. Attends, je t'ajoute au favori, toi. Ouais, attends, je te recrute après, rouillot. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je garde ton snap. Je garde ton snap, ma gueule. Ma petite gueule. Si y a Hejoko, je t'appelle ma gueule. Ma petite gueulante. Ça allait boire mon eau, là. Ils m'ont coupé dans mon élan, là. Ah ouais, c'est ça que j'ai un truc que j'ai oublié de faire. Vous voyez là, dans options, on avait dit en plus que il y avait un problème avec ça. Vous voyez, affichage, c'est pas luminosité, c'est flou cinétique. Ça, faut l'enlever ça. Vous voyez, regardez, avec ça, c'est beaucoup mieux. Regardez, flou cinétique, c'est mieux. Parce que j'ai oublié de l'enlever. Regardez, on va regarder aussi là, regardez. C'est là, affichage. Il y a un truc pour... Ils l'ont enlevé. Avant, il y avait un... Il y avait un bail. C'était pour... enlever vraiment tout le flou. Mais je crois que depuis la mise à jour, ils ont juste fait en sorte que tu enlèves le flou. Complètement. On va sauvegarder. Ça va être mieux, vous voyez. Regardez, hop. Vous voyez, voir qu'on a la différence. C'est un peu mieux. Bah, le frérot, sa grotte, là, c'est la merde, hein, sa mission, elle est longue. Hein. On va pas pouvoir faire toute la romance de Olika aujourd'hui. Donc, de toute façon, ce week-end, j'aurai du temps, normalement. Donc, ce week-end, ça va me permettre de... On va t'aider, Rouille, on t'aide. On va t'aider, mon Rouille. On t'aide, mon Rouille, on t'aide. Attends, c'est quoi mes compétences? Je les connais pas. Oh, regardez ça, là. Oh, là, là, regardez, regardez. Oh, là, 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 là. Regardez. Regardez, bam! Oh! Regardez lui! Oh! Je le chope! Oh là 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 là! On les a ken! On les a haoui haoui! Et ça qui est bien dans le jeu, pouvoir avoir des compétences de fou! Voyez les compétences que j'ai? Ah, ça tue ça! Et après, vous pouvez débloquer des trucs de malade! Vous savez, il y a trop de choses à faire dans le jeu! J'ai bien cru que c'en était fini de moi. C'est pas passé loin. Comment tu vas, Norbert? Je crois que ça va aller, mais c'est pas mieux. Merci, Yann. Inutile de me remercier. Je suis ton frère. J'aurais dû venir plus tôt. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu sois arrivé à temps. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de quitter cet endroit. Rentrons au village. Le plus tôt sera le mieux. Je dois apporter ces simples à ceux qui en ont besoin. C'est simple. Tu as raison. En avant. Allez, on y va les Rei. Let's go. On tire, rouille, avance. Allez. Attendez, je vais enlever les points là. Parce que j'ai mis deux là. On va changer. Comment on change le marqueur? C'est R3. Non, ça va mettre 1. Remplacer. Ok. Attendez. Hop. Marqueur 2. Retirer. Voilà.
Comme ça, je me retrouve dans mes bails. Par contre, on va mettre juste un autre marqueur pour pas que je me trompe. Là, on va mettre le marqueur. 5. Comme ça, je sais 5, je dois aller à la capitale. Allez où ta statue? Allez où? Vas-y, mais. Ok, on va le suivre, on va voir c'est quoi la statue qui nous mène. Hein. Ouais, il ramasse que des bails pour moi. Hein. Ok. Ouais, c'est quoi cette grotte? Non. On va faire sa mission à eux. On va commencer à faire des bails où on va dans des grottes, dans des crottes. Sinon, après, on va plus se retrouver. Le PNJ va mourir. Allez, vas-y, va. On retourne au village. Voilà, maintenant j'ai mes compétences. Moi j'aime trop, c'est le lasso là. Vous voyez comment je chope des ennemis? Ça j'aime trop. Là on va tout redéposer encore au truc parce qu'on n'a pas assez de. Ouais, il y a un pont là. Allez, concentre-toi. Attends, je ramasse ça. C'est des pommes. Je monte ça, là il y a un coffre. Au moins les coffres, je ramasse quand même. 60. Allez les rayes. On y va les rouillés, on y va. Allez, c'est par là, c'est par ici. Je suis comme les gars là dans l'avion là, quand l'avion il va pour se décoller là. Par là. Par ici. Allez. T'as ta macro, t'as va changer après. Hein. Vous allez être choqué le personnage que je vais faire après. Il y a quoi? Il me dit attention à quoi? Pourquoi j'ai pris une potion, ça peut monter ma vie? On va retourner au village. Par contre, il met du temps. Je peux pas trop bombarder. Hein. Si je bombarde trop, ils peuvent se perdre, les pions. Regardez, vous voyez les deux derrière? Je sais pas si vous voyez la carte en bas à gauche. Je suis obligé des fois de... Oui, ils sont encore loin derrière, vous voyez? Allez, vous avancez, bande de cons! On y va. Wesh, tout le monde, tous les... J'ai l'impression que tous ceux qui ont fait... Tous ceux qui ont fait des pions dans le jeu, ils ont fait des lions et tout. Y a personne qui a fait des personnages originaux, genre Luffy, Barbe Noire, ou... Que du One Piece, le gars, original, que du One Piece. Ah, mais y a personne qui a fait des persos originaux, je trouve. Y'a que moi, tu vois, ils ont fait des drôles, que des ces personnages sérieux, les Roya, calmez-vous. Ouais, on retourne au village. On va me valider ma quête. Quelle aventure, hein. Enfin rentré, quelle aventure! Je suis épuisé, mais je me reposerai que après avoir livré ces herbes. Je reviens tout de suite. Entendu, fais attention, d'accord? Pourquoi je n'accompagne pas? Toi qui reste loin de la forêt, il s'en sortira très bien tout seul. Quand il m'a dit qu'il allait chercher ses simples, j'ai refusé d'aller avec lui. Je lui ai répondu que c'était trop dangereux à cause du comportement étrange des monstres. Et j'avais raison, mais peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé si je l'avais accompagné. C'est toujours lui qui prend l'initiative pendant que moi... j'entends les mains dans les poches. Mais j'ai compris grâce à mes aventures d'aujourd'hui que le bon chemin, c'est celui avec le moins de regrets, même si on ne peut jamais être sûr d'où il mène. Nous avons réussi à sauver Norbert, mais c'est peut-être tout ce qui compte. Allez, c'est bon, tu parles trop de rouillard, oh, ça y est, tu racontes ta vie. Bon, les voix, ils ont changé d'un personnage à un autre, mais c'est pas grave. C'est les risques du métier. Achevez les deux frères.
Activez automatiquement le siège de l'archimonarque. C'est quoi ça? Entrée d'un capitaine, prouvez que votre identité en tant qu'insurgé. Dans le siège du dragon. Rendez-vous à Capitale pour un... Ok. Ok, là, faut aller à la capitale. On va y aller, hein. On va pas y aller dans aujourd'hui, hein. Parce que la vidéo, sinon, va être trop longue. Je vais essayer de bientôt vous proposer une vidéo, plusieurs vidéos de Dragon Dogma par semaine. Ça va être très dur. Mais je vais essayer, je vais essayer. Bon. Là, on a fait tout ça, truc. Et il est là, lui. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein, les frérots et les sœurettes. On va sauvegarder, on va continuer. On a avancé un peu dans l'aventure. La prochaine fois, on va continuer sur la romance avec Olika, mais on va faire quelques missions principales. Histoire de avancer dans l'histoire principale, mais ça va être vraiment, on va être ça à chaque fois, on va faire des missions secondaires et tout. À chaque fois, on va prendre notre temps sur ce jeu. En tout cas, les frérots, les sœurettes, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo en entier. Si vous n'êtes pas endormi à la fin de la vidéo, et bonne journée, bonne soirée, si on est là, quand vous voyez cette vidéo, comme d'habitude, casse-couille des youtubeurs. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait énormément plaisir. C'était le bonhomme masqué PDG, et je vous dis à très très vite.